Yannick Yana s'aimait profondément et venait tout juste de se marier. Le couple avait récemment acheté leur maison et ils rêvaient de fonder une famille. Malheureusement, un soir, leur vie va basculer. Ils vont vivre une véritable nuit en enfer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après quelques semaines d'absence pour une nouvelle vidéo. L'affaire d'aujourd'hui, vous allez le voir, est l'une des plus terribles et choquantes que j'ai eu à traiter. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est en Pologne, à Kłodzko, que naît Yann le 13 mars 1984. Sa maman, Erika, qui est une fervente chrétienne catholique, lui donne le prénom de Yann Pavel en hommage au pape Jean-Paul II. En 1994, alors qu'il a 10 ans, ses parents décident de partir vivre aux États-Unis pour y vivre le rêve américain. Il s'installe à New York, dans le quartier de Brooklyn. Yann, depuis sa naissance, a une santé fragile, mais lorsqu'il arrive aux États-Unis, les choses s'améliorent. La famille s'acclimate vite à la vie à l'américaine, il s'intègre très bien. Yann grandit dans les années 80-90 et il est bercé par la culture américaine et ses films d'action hollywoodiens. Il est un fan absolu de Sylvester Stallone et son film préféré n'est nul autre que Rambo. Les années passent et il a tout juste 17 ans lorsque se produit l'attaque du 11 septembre 2001. C'est un véritable choc pour l'adolescent, il est très impacté par cet événement tragique. Aussi, il décide 2 ans plus tard, en 2003, de rejoindre l'armée. Déterminé, il veut s'engager pour rendre l'appareil à son pays d'adoption. Il aime répéter à sa mère, très inquiète de son choix de vie, « Nous vivons dans ce pays, il nous a accueillis, nous nous devons d'être patriotes, un homme se doit de faire ce qu'il doit faire. » Il a donc tout juste 19 ans lorsqu'il s'enrôle dans l'armée américaine. Il est mécanicien spécialisé dans les hélicoptères, il est jeune mais très sérieux et rapidement il monte en grade pour devenir sergent. En 2004, par le biais d'une amie commune, il fait la connaissance d'une jolie étudiante, Kiana. Il tombe tout de suite sous son charme, il la trouve très séduisante et il décide de l'aborder. Seulement, Kiana ne lui prête aucune attention. Elle n'est absolument pas intéressée par Yann. En plus, le fait qu'il soit militaire joue plutôt en sa défaveur car elle trouve qu'ils ont mauvaise réputation, que ce sont des baratineurs. Elle a d'ailleurs toujours affirmé que jamais elle ne se mettrait en couple avec un militaire. Kiana a 2 ans de plus que Yann, elle est née le 16 février 1982, elle est fille unique et grandit heureuse, entourée de l'amour de ses parents, Roy et Faye, dans le sud de la Californie, plus précisément dans la ville de Ontario. Lorsqu'elle rencontre Yann pour la première fois, comme je vous l'ai dit, elle est étudiante à l'université de San Diego, où elle suit un cursus de santé publique et elle n'est absolument pas intéressée par lui. Elle n'est d'ailleurs à cette époque intéressée par aucun garçon. Elle préfère se concentrer sur ses études. Elle rêve de devenir un jour médecin anesthésiste. En juillet 2005, alors qu'il a 21 ans, Yann part pour une mission en Irak. Il y restera jusqu'en février 2006. C'est à son retour, le même mois, qu'il croise de nouveau la route de Kiana lors d'une soirée organisée en l'honneur des Marines déployés en Irak. Lorsqu'il la recroise à cette soirée, c'est un enchantement. Il est toujours sous le charme de la jeune femme qui a depuis obtenu son diplôme et qui travaille dans un centre de santé réservé aux femmes afro-américaines. Elle y est conseillère, elle donne des cours, des conseils, des formations pour aider les jeunes mères à s'occuper au mieux de leurs nourrissons. Une fois encore, Kiana reste insensible au charme de Yann, mais cette fois-ci, il ne compte pas laisser passer sa chance. Les jours suivants, il en parle à sa maman et lui demande quelques conseils pour séduire la jeune femme. Il lui fait la cour pendant plusieurs semaines et Kiana finit par se laisser convaincre de sortir avec lui en mai 2006. C'est le début d'une histoire d'amour idyllique. Très rapidement, ils tombent fous amoureux l'un de l'autre.
Un an après leur premier rendez-vous, le jeune homme décide de la demander en mariage. Il fait les choses bien, il lui achète une jolie bague et il demande la permission à ses parents d'épouser leur fille. Ces derniers acceptent, ils savent à quel point ils sont amoureux. Le 19 mai 2007, il lui fait sa demande officielle à Balboa Park à San Diego. Depuis son retour d'Irak, Yann est affecté à la base aérienne militaire de Pendleton en Californie. Il travaille dans un escadron d'entraînement aéronautique, il s'occupe des hélicoptères affectés à cette unité. Un an après la demande de Yann, le couple prépare leur mariage qui est prévu pour le mois d'août 2008. En mai, ils tombent sur une superbe affaire, ils achètent une maison de 5 chambres à Winchester, tout près de la base aérienne. Ils rêvent d'avoir des enfants et cette maison est parfaite pour accueillir leur petite famille. C'est un quartier assez récent et plutôt coté, mais la crise du logement de 2008, aussi appelée crise des subprimes, a frappé et le jeune couple en profite pour faire une affaire puisqu'ils achètent leur maison pour moins de 300 000 $, alors qu'il y a encore un an, ce type de maison était vendu près de 600 000 $. Le 8 août 2008, Kiana, qui a désormais 26 ans, et Yann, 24, se marient devant leur famille et tous leurs amis. C'est Kiana qui a choisi la date symbolique du mariage, le 8-8-2008, pour qu'il ne l'oublie jamais. C'est une magnifique journée, l'émotion est à son comble. Lorsque Kiana, vêtue de blanc mais chaussée de Converse blanches spécialement décorées pour l'occasion, avance au bras de son père, Yann ne peut retenir ses larmes. Après le mariage, ils partent en lune de miel et, à leur retour, ils savourent cette nouvelle vie qui s'offre à eux. À leur retour, Yann se lance dans la rénovation de leur nouvelle demeure, redonnant vie au parquet. Pendant ce temps, Kiana prend le temps d'écrire manuellement un mot de remerciement pour chaque invité de leur mariage. Elle attend impatiemment les photos de la cérémonie pour les inclure dans ses missives avant de les expédier par courrier. Yann, qui a toujours beaucoup aimé les chiens, offre à son épouse un petit chiot blanc au début du mois d'octobre. Il décide de l'appeler Rambo en hommage à l'idole de son enfance. Yann et Kiana nagent donc en plein bonheur, ils ont plein de projets, leurs familles respectives, surtout les deux mamans, s'entendent à merveille, un avenir radieux s'offre à eux. Malheureusement, une terrible tragédie va mettre un terme à ce bonheur idyllique. Après 2 mois de mariage merveilleux, le 15 octobre 2008, Kiana et Yann, sans prévenir, ne se présentent pas à leur travail respectif. Ce n'est absolument pas dans leurs habitudes, leurs collègues de travail s'inquiètent et décide de contacter chacun de leur côté la police pour demander un contrôle de bien-être. Lorsque les policiers arrivent sur place vers 9h du matin, ils remarquent immédiatement que la porte d'entrée de la maison est grande ouverte. Ils sentent également une forte odeur d'essence. Ayant un mauvais pressentiment, ils appellent tout de suite du renfort et pénètrent dans la maison. Près de la porte d'entrée, ils voient un sac à main de femme jeté au sol. Ils avancent un peu plus dans la propriété et c'est dans le salon qu'ils font une effroyable découverte. Ils retrouvent les corps ligotés avec du ruban adhésif et bâillonnés de Kiana et Yann sans vie. Un vibromasseur et une bougie rouge se trouvent près du corps de la jeune mariée. Yann a été battu brutalement, il a des ecchymoses sur tout le côté droit et des traces de semelles sur son dos, il a été piétiné. Une chaussette fixée avec du ruban adhésif a été placée dans sa bouche. La pauvre Kiana, quant à elle, est retrouvée avec les poignets liés dans le dos, elle est nue et une chaussette a été placée et scotchée sur ses yeux. La jeune mariée a été agressée sexuellement. Tous les deux ont vraisemblablement été torturés avant d'être abattus. Kiana a été abattue d'un tir à bout portant dans la tête et Yann a 3 blessures par balle, une à l'oreille gauche, une à la joue droite et la troisième à l'arrière de la tête. La maison est entièrement saccagée, plusieurs petits départs de feu sont observés, mais de toute évidence, aucun n'a véritablement pris. Dans la maison, les policiers vont retrouver
trois types d'empreintes de chaussures différentes. L'une faite par des Nike Air Force One, l'autre identifiée comme des Nike Cortez. Il constate également plusieurs inscriptions « Nigger Lover » que l'on peut traduire par « amateur de nègres » peintes à la bombe sur les murs et les miroirs de la maison, laissant présupposer à un crime raciste. Des criminels suprémacistes blancs auraient pu vouloir faire payer à Yann le fait d'être marié à une afro-américaine. Il ne trouve pas d'armes, de plus, il n'y a aucune douille sur place. C'est grâce à la maman de Kiana, Faye, qu'ils vont apprendre que plusieurs objets de valeur ont été volés, l'alliance et la bague de fiançailles de sa fille, une boîte à bijoux, un collier appartenant à Yann, une montre de valeur et enfin la carte bancaire de la pauvre Kiana. Dans le quartier, c'est le choc, les policiers communiquent peu et chacun se fait des films, envisage des hypothèses. Le secteur est bouclé, les voitures de police et de pompiers s'accumulent dans la rue. Pour les voisins du pauvre couple, cet acte horrible n'est pas une coïncidence. Depuis un certain temps, le quartier connaît une augmentation de la criminalité. Les voisins s'étaient même organisés pour lancer leur propre programme de surveillance après la multiplication des vols de voitures et des cambriolages. Les autorités font une première déclaration. Ils expliquent que les décès ne sont pas liés à un meurtre-suicide, sans en dire plus. La paranoïa gagne alors tous les habitants de la zone. Y a-t-il des meurtriers qui rôdent dans le quartier ? Ce n'est que le lendemain que la tension retombe lorsque les policiers déclarent que les meurtres n'étaient pas dus au hasard, il y avait un motif personnel derrière tout cela. Effectivement, la violence des crimes laisse présager que le motif est certainement personnel, ce n'est vraisemblablement pas un cambriolage qui aurait mal tourné. L'enquête commence alors. Qu'est-il arrivé à ce couple si apprécié et sans histoire ? Pourquoi une telle violence ? Avait-il des ennemis ? Il n'écarte aucune piste. Les enquêteurs ne tardent pas à découvrir que la carte bancaire de Kiana a été utilisée dans un guichet automatique après les meurtres à 3h20 du matin. La scène a été filmée, seulement les images des caméras sont de très mauvaise qualité. La personne qui a retiré l'argent connaissait le code, c'est de toute évidence un homme d'après sa stature. Il porte un bandana bleu et des gants avec écrit dessus « Mechanix ». Lorsqu'il arrive au guichet, il couvre la caméra avec sa main gantée, puis il retire plusieurs centaines de dollars. Le NCIS ne tarde pas à rejoindre l'enquête, comme c'est toujours le cas lorsqu'un marine est impliqué dans un crime, d'autant plus lorsqu'il en est victime. En inspectant les photos de la scène de crime, il constate qu'un sac de sport appelé par les Marines « sac de mer » n'a pas été volé. C'est le sac dans lequel est stocké tout l'équipement militaire, il a donc une grande valeur. De plus, l'uniforme de Yann a disparu, il pense alors tout de suite qu'il aurait pu être pris comme une sorte de trophée. Pour le NCIS, c'est un énorme indice, les criminels ont fouillé la maison pour y dérober des biens de valeur, ils sont tombés sur le sac de mer, mais ils ne l'ont pas pris. Pour eux, tout semble indiquer que les auteurs n'en avaient pas besoin et pour cause, ils pensent que ce sont certainement des militaires. Ils font part de leurs soupçons aux policiers et leurs yeux s'illuminent, ils pensent aussi que les meurtriers pourraient être des militaires. En effet, le guichet utilisé pour retirer des centaines de dollars avec la carte de Kiana après les meurtres se trouve seulement à quelques centaines de mètres de l'entrée arrière de la base militaire. Se pourrait-il que ce soit une équipe de militaires criminels et de surcroît racistes qui ait voulu se débarrasser de Yann car il était marié avec une afro-américaine ? Les inscriptions racistes sur les murs et miroirs de la maison le laissent présager. Mais le mystère reste entier. 9 jours après le drame, le 24 octobre 2008, les proches du couple se réunissent afin de leur rendre un dernier hommage et de leur dire au revoir. 67 jours après s'être réunis pour célébrer leur union, ils leur disent adieu lors d'une cérémonie militaire. Des centaines de personnes sont présentes, la mère de Yann, Henrika, arrive de New York en avion pour l'occasion.
Les mamans décident de les enterrer ensemble. Ils étaient ensemble sur la terre et nous souhaitons qu'ils soient ensemble au ciel, déclarent les parents. Pendant ce temps-là, les enquêteurs travaillent sans relâche pour élucider ce terrible crime. La seule certitude qu'ils ont, c'est que les tueurs sont très certainement des Marines. Ils interrogent les deux meilleurs amis de Yann qui sont également des Marines. À cause de la violence des meurtres, du viol que Kiana a subi, ils pensent qu'il y a incontestablement un motif personnel, ce n'est pas un simple cambriolage qui aurait mal tourné. C'est ainsi qu'ils apprennent que Yann parlait beaucoup. Il se vantait de sa maison et de la beauté de sa femme dont il était très fier. Aussi, il avait récemment reçu une prime pour son séjour en Irak de 30 000 dollars. Cette info était largement connue dans son environnement, il avait confié à certaines personnes qu'il gardait de l'argent chez lui. Pour les enquêteurs, c'était là un potentiel mobile, mais il devait très certainement y avoir autre chose, cela n'expliquait pas la barbarie des meurtres. L'équipe du NCIS découvre que Yann était un sergent très strict. Il avait eu quelques problèmes avec un jeune marine, il s'était confié à l'un de ses amis à ce propos en parlant d'insubordination. Il s'était même opposé à ce que ce dernier obtienne une promotion. Ce marine avec qui il avait eu des relations houleuses est le caporal Tyrone Miller. Il a 20 ans et est originaire de Caroline du Nord. Depuis 9 mois, il est sous le commandement de Yann. Sur la base, il a plutôt mauvaise réputation. Certaines rumeurs disent même qu'il pourrait être affilié à un gang. En faisant quelques recherches sur lui, les enquêteurs découvrent que la veille des funérailles, il avait été victime d'une fusillade à l'extérieur d'une salle de cinéma. Énorme drapeau rouge, ils décident de l'interroger, il est sûrement lié à des activités criminelles. Le 28 octobre, Tyrone Miller est amené au bureau du NCIS pour y être entendu, l'interrogatoire est enregistré. Au départ, il prétend ne rien connaître de ce drame au-delà de ce qui a été publié sur Internet. Il reconnaît cependant ne pas apprécier particulièrement Yann, s'être disputé avec lui à propos de quelques différends liés au travail, mais rien de plus. Il explique n'avoir aucune animosité envers lui malgré l'altercation qu'ils ont eue. « C'est un gars assez cool, il m'a beaucoup aidé à m'améliorer dans mon travail », leur dit-il. Il raconte ensuite que, le soir des meurtres, il a passé une soirée tranquille en compagnie de sa femme et de ses deux jeunes enfants. Il vit sur la base de Pendleton. Seulement, lorsque les enquêteurs lui disent que ses dires seront faciles à vérifier en analysant son téléphone, il change subitement de version. Il reconnaît soudainement que le soir des meurtres, il est peut-être passé avec des amis dans le quartier du couple pour aller boire un verre. Il est assez confus et ne semble pas trop savoir précisément ce qu'il a fait le soir de cet horrible crime. Puis, les agents lui demandent comment il a l'habitude de s'habiller. Il répond avec des sweats à capuche, des chemises amples ainsi que des bandanas bleus. Il lui demande ensuite s'il possède des Nike Cortez ou des Air Force One. Il répond qu'il a bien plusieurs paires de baskets, y compris des Air Force One. Pour les enquêteurs, il devient alors le principal suspect. La police demande alors dans la foulée un mandat pour perquisitionner son domicile. Les forces de l'ordre, accompagnées des agents du NCIS, se préparent pour la perquisition, ils ont des gilets pare-balles, ils sont armés et ont amené un bélier. Ils frappent à la porte en annonçant « Police, nous avons un mandat de perquisition ». Mais personne n'ouvre. Quelques instants plus tard, ils enfoncent la porte. Lorsqu'ils pénètrent dans la maison, ils trouvent sa femme dans le salon et ils aperçoivent Miller dans les escaliers. Il prend alors sa petite fille de quelques mois dans ses bras comme un bouclier en tentant de fuir par l'arrière. La police lui ordonne de poser son enfant. Ils sont stupéfaits. Ils n'avaient jamais vu un civil et encore moins un militaire se servir de son enfant ainsi comme un bouclier. Sous la pression, il finit par poser sa petite fille et la perquisition commence sous ses yeux et ceux de son épouse qui semble en état de choc, tous les deux sont assis sur le canapé.
les forces de l'ordre retrouvent rapidement la carte bleue de Kiana posée là sur la table. Les policiers sont étonnés, ils pensaient qu'après son interrogatoire, il aurait au moins cherché à se débarrasser de toutes les preuves le reliant au meurtre. Et ce n'est pas la seule preuve le reliant au meurtre que les enquêteurs vont découvrir. Ils retrouvent une partie des bijoux qui avaient été volés au couple. Dans un sac plastique, ils tombent sur 4 douilles de même calibre que les balles qui ont causé les blessures mortelles de Yann et Kiana. Dans un placard, ils retrouvent également l'uniforme bleu de Yann pendu tel un trophée comme le supposaient les agents du NCIS, ainsi que plusieurs armes de poing, une arme de poing, des fusils de chasse et de nombreux pistolets. L'une d'entre elles sera identifiée comme étant l'arme du crime. Les policiers sont médusés par toutes ces découvertes et ils ne sont pas encore au bout de leur surprise. Ils retrouvent aussi, dans un sac noir, plusieurs bandanas bleus ainsi que les mêmes gants que ceux observés sur les caméras de surveillance du guichet automatique. Les baskets Air Force One du suspect sont analysées et correspondent aux empreintes relevées sur la scène de crime et ils trouvent de nombreuses preuves ADN le reliant au crime. Mais ce n'est pas tout. Ils mettent la main sur de nombreux objets vraisemblablement volés dans différents autres cambriolages. Des cartes bleues, des cartes d'identité, des bijoux, des montres et d'autres choses. Miller est alors placé en détention et ramené au NCIS. Malgré toutes ces preuves incriminantes, il affirme n'avoir rien à voir avec les meurtres et il ne demande pas d'avocat. Seulement, devant toutes ces preuves accablantes, après une heure d'interrogatoire, il craque. Néanmoins, il minimise son rôle dans ses crimes. Il raconte qu'il est bel et bien allé au domicile du couple ce soir-là, mais seulement pour les voler. Il reconnaît aussi avoir écrit sur les murs les inscriptions racistes, mais il nie avoir tué le jeune couple. Il avoue également qu'il était avec deux autres personnes. Le caporal suppléant Emrys Jones, âgé de 18 ans, et le soldat Kevin Darnell Cox, âgé de 20 ans, tous les deux étaient également sous les ordres de Yann. Miller, qui vient de dénoncer ses deux compères, affirme que c'est Emrys qui a tué le couple et il révèle que Cox était présent avec eux durant tout ce temps, il avait un fusil à la main. Il déclare également qu'il y avait un quatrième homme avec eux ce soir-là, le caporal suppléant Kesson Sykes, aussi connu sous le pseudo de Psycho, âgé de 21 ans. Il est affecté dans un escadron d'artillerie et il est le seul des quatre à ne pas vivre sur la base. Vers 1h du matin, le 15 octobre 2018, les 4 Marines se sont rendus dans le quartier de Yann et Kiana. Tous, sauf Cox, se sont couverts le visage avec des bandanas bleus, ils ont mis des gants et se sont approchés de la maison du sergent. Ils envisageaient de rentrer dans la maison par effraction, mais ils n'ont pas réussi car le couple était très à cheval sur la sécurité, d'autant plus avec les cambriolages que subissaient les habitants du quartier. Ils ont donc décidé d'utiliser la ruse pour pénétrer dans la maison. Miller, Sykes et John se sont cachés alors que Cox est allé frapper à la porte de son commandant. Ils pensaient qu'en le reconnaissant, Yann ouvrirait la porte et c'est effectivement ce qu'il s'est passé. Yann a dû se demander pourquoi l'un de ses hommes venait taper chez lui en pleine nuit et il lui a ouvert la porte sans se méfier. C'est à ce moment-là que les 3 autres militaires ont fait irruption en menaçant Yann avec leurs fusils. Tout est allé très vite, une lutte s'est engagée et ils ont rapidement pris le dessus, puis ils ont ligoté Yann et Kiana. Ils ont ensuite saccagé la maison à la recherche d'objets de valeur ou d'argent à voler. Ils espéraient certainement tomber sur les 30 000 dollars que Yann prétendait garder chez lui, mais ils n'ont pas trouvé l'argent. Déçus, ils ont trouvé la carte de crédit de Kiana et ont torturé le couple pour obtenir le code. Hélas, le cauchemar n'était pas fini.
Ils ont violé la jeune mariée sous les yeux de son mari impuissant. Le calvaire a duré des heures. Yann et Kiana ont vécu l'enfer. L'enquête a montré que Miller était le cerveau du début à la fin. C'est lui qui a remis l'arme à John et lui a ordonné « finis-les ». Sans doute espérait-il impliquer ses comparses de crime jusqu'au bout afin qu'il n'y ait aucune délation. Ils ont alors utilisé les coussins du canapé comme silencieux avant de leur tirer à chacun dans la tête. Miller a ensuite bombé à la peinture des inscriptions racistes sur les murs et les miroirs de la maison. Probablement pour brouiller les pistes et faire passer ce crime ignoble pour une attaque raciste d'un groupuscule de suprémacistes blancs ou autre. Puis, pour faire disparaître des preuves, ils ont allumé plusieurs incendies dans la maison, mais aucun n'a véritablement pris. Pour les enquêteurs, les mobiles sont le vol et la vengeance, car Yann s'était opposé à une promotion de Miller. Suite à cette perquisition, riche en découvertes, ils ont fouillé les casernes, les maisons et les voitures des quatre suspects. Ils ont retrouvé de nombreuses preuves physiques, les reliant tous au meurtre. Les quatre militaires menaient en réalité une vie secrète. Le jour, ils étaient des militaires tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et la nuit, ils cambriolaient des maisons autour de la base. Pour les familles et les amis du couple, ce fut un terrible coup dur de savoir que c'était quatre Marines qui avaient tué Yann et Kiana, dont trois étaient directement sous les ordres du malheureux défunt. L'enquête a également révélé que la fusillade dont avait été victime Miller la veille des obsèques du couple n'en était en réalité pas une. Cette nuit-là, comme à leur habitude, les quatre lascars s'étaient retrouvés dans le but de cambrioler une maison. Ils étaient dans une voiture avec des armes chargées quand l'un d'entre eux a laissé tomber son arme et le coup de feu est parti accidentellement, blessant Miller. Pour les enquêteurs, le crime était prémédité. Ils ont en effet retrouvé une publication qu'avait faite John sur son MySpace juste avant cette terrible nuit. Il y avait écrit « J'attends la mise à mort avec impatience. » De plus, pour la police, on ne peut pas voler quelqu'un que l'on connaît sans s'attendre ensuite à être dénoncé, surtout que Cox s'était montré à visage découvert lorsqu'il a tapé à la porte du couple. Ils avaient donc prévu, dès le départ, de les tuer. Le 3 novembre 2008, soit 19 jours après le drame, la police annonce avoir arrêté 4 suspects liés au terrible meurtre de Yann et Kiana. 3 jours plus tard, le 6 novembre, une polémique enfle concernant cette tragique affaire. Une journaliste de CNN, Jen Velez Mitchell, lance un pavé dans la mare. Elle soulève que les 4 suspects sont afro-américains. Kiana est également afro-américaine et Yann est blanc. Elle se demande alors si le crime n'avait pas une motivation raciale. D'autant plus que la pauvre Kiana a été sauvagement violée. Pour elle, on ne peut pas parler uniquement de vol lorsqu'il y a une telle agression sexuelle, une telle violence. De plus, Miller avait inscrit sur les murs et les miroirs de la maison « Nigger Lover ». Seulement, quelques jours plus tard, le bureau du shérif fait une déclaration. Il n'y a rien qui suggère que ce qui s'est passé soit un crime raciste. Le mobile était simplement le vol, un vol qui aurait mal tourné. Seulement, les parents de Yann et de Kiana, ainsi que de nombreux citoyens, sont persuadés du contraire. Enrica, soutenue par les parents de Kiana, déclare que son fils et sa belle-fille n'avaient aucune richesse. Elle pense que les quatre militaires avaient une dent contre son fils car c'était un blanc qui était marié à une noire. Le 11 novembre 2008, elle rédige une lettre officielle à Barack Obama. Elle raconte ce que son fils et sa belle-fille ont enduré et elle fait part de ses soupçons de crimes racistes. S'il s'agissait d'un vol, pourquoi ne sont-ils pas venus alors que personne n'était à la maison au lieu de venir en pleine nuit armés jusqu'aux dents? Qu'est-ce qui a pu inspirer une telle haine et un tel dégoût envers mon fils et ma belle-fille? Le 22 janvier 2009, le procureur fait une déclaration. Il annonce avoir l'intention de demander la peine de mort.
L'audience préliminaire a lieu le 26 mars 2009. Tous les quatre plaident non coupables malgré les nombreuses preuves recueillies contre eux. Trois des suspects affirment que John est le tireur. Ils reconnaissent tous que Kiana a été agressée sexuellement, mais ils se rejettent la faute les uns sur les autres. Au milieu de l'audience, Sykes s'est soudainement levé et s'est mis à uriner devant l'assemblée, prétextant qu'il essayait de chasser des démons invisibles. L'audience a alors été interrompue pour reprendre le 3 avril 2009. Une expertise psychiatrique a été demandée. Le 3 avril, le procureur affirme que la motivation du crime est financière et non raciale, malgré les inscriptions faites au mur qui étaient selon lui uniquement destinées à brouiller les pistes. Les mamans de Yann et Kiana ne valident absolument pas ce mobile et elles demandent une audience officielle avec le président Obama qui restera vaine. D'ailleurs, 7 mois après l'envoi de sa lettre, le 27 juillet 2009, Enrica reçoit enfin une réponse de l'administration Obama. Malheureusement, c'est une lettre générique type envoyée à tous les soldats tués au combat. Enrica est outrée par ce manque de considération, elle fait parvenir cette réponse impersonnelle aux médias, l'administration Obama est pointée du doigt et elle présente alors ses excuses. Le 17 août 2009, le commissaire aux droits civils en Pologne écrit à son tour au président des États-Unis. C'est l'ambassadeur des États-Unis en Pologne qui répond par une courte lettre le 24 août 2009. Il déclare se montrer réticent à discuter d'une potentielle motivation raciale pour ces meurtres. Bien qu'il souligne de la nécessité de poursuivre les auteurs de ce terrible crime en justice. Sykes, qui avait uriné en pleine audience, a été évalué psychiatriquement apte à être jugé. C'est 5 ans après les meurtres, en mars 2013, que les procès de Cox, Miller et Jones s'ouvrent. Sykes sera jugé plus tard pour une question d'organisation et de place disponible dans le tribunal. Entre-temps, les 4 militaires ont été renvoyés de l'armée avec les déshonneurs. Pour le procureur, le fait qu'il soit militaire est une circonstance aggravante. Il a rappelé que ces hommes avaient été formés par l'armée américaine à être des combattants de la paix et de la liberté, ainsi qu'au maniement des armes. Malheureusement, ils avaient utilisé ces connaissances pour commettre de terribles meurtres. Le procès a duré 4 mois et le jury a délibéré moins de 3 jours. John, reconnu par tous les autres comme étant le tireur, a pu compter sur de nombreux témoignages de ses proches. Ils l'ont présenté comme un enfant brillant qui impressionnait les adultes par son amour des livres, sa connaissance de la Bible et ses compétences conversationnelles. Selon eux, il avait grandi dans une famille aimante qui a toujours essayé de lui transmettre des valeurs telles que la vérité, la justice, l'équité. Visiblement, l'objectif était loin d'être atteint. Sa mère est venue plaider pour sa vie en expliquant que son prénom, Emrys, signifiait « enfant de lumière », ce qu'il avait toujours été pour elle. Seulement, le procureur n'a pas manqué de préciser froidement que son fils n'était rien d'autre qu'un marine le jour et un tueur sadique la nuit. Le 24 juin 2013, le jury a reconnu John, Miller et Cox coupables. John le tireur et Miller le cerveau de toute cette affaire ont été condamnés à la peine de mort. Cox, qui avait collaboré avec les policiers durant l'enquête, a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Un an plus tard, le 5 août 2014, s'ouvre le procès de Sykes, qui a désormais 27 ans. Le 21 août 2014, il est lui aussi reconnu coupable, et le 7 novembre, il est également condamné à mort. Miller et Sykes ont tous les deux été reconnus coupables d'agression sexuelle. C'est Sykes qui avait déchiré les vêtements de la pauvre Kiana sous les yeux de son mari, avant d'abuser d'elle avec un vibromasseur. Cox est actuellement incarcéré, les autres sont toujours dans le couloir de la mort, dans la prison de Saint-Quentin, en Californie. C'est le seul couloir de la mort de l'État pour les détenus de sexe masculin, c'est d'ailleurs le plus grand couloir de la mort des États-Unis. La maman de Yann a pu récupérer l'uniforme de son fils, celui qu'il portait le jour de son mariage.
elle a déclaré que lorsque son fils était parti pour l'Irak, elle s'était préparée à le perdre, mais elle n'aurait jamais pensé le perdre ainsi, dans sa propre maison, tué par ses camarades militaires. Depuis la mort du couple, les parents de Kiana se rendent au cimetière toutes les semaines. Lorsqu'Enrica est en ville, ils y vont ensemble. Les familles sont toujours très proches. C'est vraiment une histoire tragique. Yann et Kiana venaient de se marier, ils avaient la vie devant eux, mais quatre monstres en ont décidé autrement. Ils leur ont fait vivre un véritable enfer. Je n'ose imaginer la douleur et la détresse dans laquelle ils sont partis, ils ont vraiment vécu l'horreur. Yann a été obligé de voir sa femme bien-aimée se faire torturer et violer devant ses yeux, totalement impuissant avant d'être froidement exécuté. C'est vraiment le pire cauchemar qu'un homme puisse vivre, d'autant plus qu'il a dû comprendre qu'il avait été trahi par des frères d'armes. Il a ouvert à Cox, son subordonné, sans se douter du terrible piège qui allait s'abattre sur lui et sur sa jeune épouse. J'imagine qu'il a dû également reconnaître la voix de Miller. Yann s'était engagé dans l'armée pour rendre à son pays d'adoption ce qu'il lui avait donné. Il était prêt à donner sa vie pour ce pays et il a été trahi par ses propres hommes. C'est effroyable. Cox, Sykes, Miller et John étaient des monstres. Ils se cachaient derrière l'uniforme des Marines, mais la nuit, ils rôdaient pour commettre des crimes. Je ne sais pas exactement pourquoi Yann s'était opposé à la promotion de Miller, il avait sans doute senti qu'il était malsain. Probablement que lorsque Miller a su que Yann avait reçu une prime de 30 000 $ alors qu'il avait fait en sorte qu'il n'obtienne pas de promotion, son ressentiment vis-à-vis de lui a dû s'exacerber. Je ne sais pas s'il y avait une motivation raciale derrière ces terribles crimes, mais je pense que cette hypothèse est envisageable. Les parents du couple le pensent en tout cas. Aussi, pourquoi inscrire de tels messages si l'on envisage de brûler la maison pour tout faire disparaître ? Pour moi, ces messages n'étaient pas seulement destinés à brouiller les pistes, ils étaient l'expression de la haine profonde que Miller portait à son supérieur. Mais cela n'engage que moi. Le racisme est un sujet épineux. Beaucoup de personnes pensent, notamment grâce à une certaine idéologie, à une forme de bien-pensance, que le racisme est l'apanage des Blancs. Comme quoi, seuls les Blancs peuvent être racistes. D'ailleurs, la notion de racisme systémique renforce fortement cette idée. Seulement, je pense que les Blancs n'ont pas le monopole du racisme à travers le monde. Le racisme existe dans toutes les communautés, dans tous les peuples, dans toutes les ethnies, peu importe la couleur de peau. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie sur la triste histoire de la famille Cheng, je vous mettrai le lien en description. Bien sûr, je ne nie pas qu'il y ait des Blancs racistes, mais je pense qu'il y a aussi des Noirs, des Arabes, des Asiatiques et autres qui le sont tout autant. Il y a même des personnes qui sont racistes envers d'autres alors qu'ils partagent la même religion. Le racisme est universel. Je ne souhaite pas lancer un débat ou encore une compétition victimaire à ce propos dans l'espace commentaire, mais je tenais à préciser au mieux ma pensée concernant ce sujet. Pour revenir à notre affaire, Yann avait pour habitude de se vanter de la beauté de sa femme. De plus, il était très dur et exigeant avec ses subordonnés et il est possible que Miller ne supportait pas de se faire soumettre, humilier ainsi, d'autant plus par un Blanc qui, de surcroît, avait épousé une sœur noire. Sinon, pourquoi avait-il été aussi cruel avec la pauvre Kiana qui n'avait rien à voir dans toute cette histoire? Ils se sont acharnés sur leurs victimes, ils leur ont tout pris. Leur vie, leur dignité, leurs bijoux, le peu d'argent qu'ils avaient. Ils ont même obtenu le code de la carte de Kiana, alors pourquoi être aussi cruel? Pourquoi l'humilier ainsi sous les yeux de son mari? Pourquoi lui faire subir un tel supplice si le mobile était simplement le vol? De toute façon, que le crime soit reconnu comme ayant un mobile racial ou pas, l'issue aurait été la même, ils ont tous été des plus sévèrement punis. J'imagine que les autorités ont préféré ne pas jeter d'huile sur le feu en parlant de crime raciste. Quoi qu'il en soit, le mobile était sûrement complexe, il y avait bien sûr le vol, la vengeance, mais aussi certainement une forme de haine raciale.
N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti, de ce que vous en pensez en commentaire. Yann et Kiana étaient mariés depuis à peine 2 mois. Ils avaient des rêves, la vie devant eux, et j'espère de tout cœur qu'à présent ils sont réunis tous les deux pour l'éternité. J'ai également une pensée particulière pour les parents de ce jeune couple. Ils sont restés solidaires et unis dans cette tragique épreuve et j'espère de tout cœur qu'ils ont pu aller de l'avant et qu'ils sont en paix aujourd'hui. Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous l'avez trouvée instructive et que vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai racontée. Je remercie tous ceux qui sont encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Yann et Kiana dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir dans mon travail, vous pouvez liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents !